A. Alexandre Lacazette, le prodigieux, leader, de l'OL. À bientôt 32 ans, il a encore franchi un palier, selon les dires des commentateurs. Mais sérieusement, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment un joueur peut franchir un palier à cet âge-là? C'est ridicule. Et puis, il a marqué des buts, bravo, c'est son travail après tout. Mais ne nous emballons pas, il n'est pas le seul joueur sur le terrain. Et puis, il a eu de la chance, il a marqué un quadruplé, mais il ne se rappelle même pas des images. Quel manque de professionnalisme. Et puis, parlons du match en lui-même. Une victoire complètement folle face à Montpellier? Mais sérieusement, c'est quoi cette défense submergée? Et puis, Lacazette qui s'offre un triplé et une égalisation, c'est bien beau, mais il a fallu un pénalty pour gagner. Et puis, parlons de la lutte pour le titre de meilleur buteur. Lacazette et Mbappé à égalité? Mais c'est une blague. Et puis, Eli Wahi, 17 buts, peut viser encore plus haut. Mais sérieusement, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment un joueur de 17 ans peut être aussi bon? C'est ridicule. Enfin bref, encore une fois, le football français me déçoit.